la surpasse. Que dira-t-on des surnaturels? Que l'homme contemple donc la nature entière dans sa haute et pleine majesté. Qu'il éloigne sa vue des objets bas qui environnent. Qu'il regarde cette éclatante lumière mise comme une lampe éternelle pour éclairer l'univers, que la Terre paraisse comme un point au prix du vaste tour de cet astre décrit, et qu'il s'étonne de ce que ce vaste tour lui-même n'est qu'une pointe très délicate à l'égard de celui de ces astres qui roulent dans le firmament, embrasse. Mais si notre vue s'arrête là, que l'imagine, elle se lassera plutôt de concevoir que la nature. Le monde visible n'est qu'un trait imperceptible dans l'angle sain de la nature. Nulle idée dans l'approche, nous avons beau enfler nos conceptions au-delà des espaces imaginables, nous n'entendons que des atomes au prix de la réalité des choses. C'est une sphère infinie, on le sent bien partout, la circonférence nulle part. Enfin, c'est le plus grand caractère sensible de la toute-puissance de Dieu que notre imagination se perde dans cette pensée. Que l'homme étant revenu à soi, considère ce qu'il est au prix de ce qu'il est, qu'il se regarde comme égaré et que de ce petit cachot il se trouve logé, j'entends l'univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes, les maisons et soi-même son juste prix. Est-ce qu'un homme dans l'infini? Mais pour lui présenter un autre produit aussi important, il recherche dans ce qu'il connaît les choses les plus délicates. Qu'un ciron lui offre dans la petitesse de son corps des parties incomparablement plus petites, des jambes avec des jointures, des veines dans ses jambes, du sang dans ses veines, des humeurs dans ce sang, des gouttes dans ses humeurs, des vapeurs dans ses gouttes, que divisant encore ces dernières choses, il épuise ses forces en ses conceptions, et que le dernier objet où il peut arriver soit maintenant celui de notre discours. Il pensera peut-être que c'est là l'extrême petitesse de la nature. Je veux lui faire croire là-dedans un être plus simple. Je veux lui peindre non seulement l'univers visible, mais l'immensité qu'on peut concevoir de la nature dans l'enceinte de ce raccourci. Qu'il y voit une infinité d'univers dont chacun a son firmament, ses planètes, sa terre, dans la même proportion que le monde visible. Dans cette terre, des animaux et enfin des sirons dans lesquels il retrouvera ce que les premiers ont donné et trouvant encore dans les autres la même chose enfin et sans retour, il se perdra dans ses merveilles étonnant dans notre petitesse et les autres par leur étendue car il admira que notre corps sans doute n'était pas perceptible dans l'univers, imperceptible même dans le sein soit à présent un colosse, un monde. À l'égard du néant. Il se considérera de la sorte qu'il verra soi-même. Et se considérant soutenu dans la masse que la nature lui a donnée entre ses deux amis, de l'infini et du néant, il tremblera dans la vue de ses merveilles, et je crois que sa curiosité, se changeant en admiration, sera plus disposée à les contempler en silence qu'à les rechercher avec présomption. Car enfin, là, comme un adieu, un néant à l'égard de un inconnu, il ne cherche pas tout avec inquiétude et sans succès dans les ténèbres à venir. Un auteur, qui s'applique bien sûr
Je te présente la lecture de deux nouvelles spatiales. L'une sera Mars, et l'autre est arrivé juste avant le moment où la raison a triomphé et où la raison a triomphé en s'accommodant d'un certain Pascal. Tous les deux ont réussi à marcher la main dans la main pour qu'un certain nombre soit. Or Pascal est l'homme de la discussion et aussi l'homme de l'interrogation sur le cadre. Pascal était aussi bien pour savoir ce qu'il a et sa première vie et d'abord celle des et les fois. Il y a toute cette période on retrouve même sa belle-mère on sait c'est un problème de la bourse. Et c'est un jeu chez Cyrano qui ne croit pas en Dieu. Et pour Pascal qui y croit, c'est un argument qu'il propose aux libertés. En le retournant, bien sûr, mais comment est-ce que c'est un certain qui est le Pascal qui explique comment éviter justement la conséquence de ce que lui tant. Paris, mais chez lui, on reste Paris, il a résolu de faire une décision curieuse, puisqu'il ne résout pas son condition. Et parce qu'il y a un papier qui va tout dans ses amis, exactement comme si la blessure du bas était sur lui une écharpe, et que cette écharpe ne tenait pas à la préserver, qui respirait cette voix constamment avec lui, en lui. L'an de grâce 1654, lundi 23 novembre, je peux simplement pape et martyrologue. Veille de cette Il ne se conserve par une voie enseignée dans l'évangile.
C'est pas trop là que tu m'as. Si Pascal n'était qu'à simple théologien argumentant sur le pari, peut-être ne pas. We'll be right back.
Merci.